de difficulté à bouger à la rondelle. Je pense que c'était un match fort. Mais on a réussi à sortir avec la victoire. Puis là, aujourd'hui, dans nos partisans, je pense qu'on a un gros match encore. Puis ils ont marqué le premier but. Ça fait trois matchs en ligne à maison que ça arrive. Mais je pense qu'on a bien rebondi. Puis on est en contrôle. Là, fait que, ça va bien jusqu'à maintenant. Là, puis tous les gars travaillent fort. Fait que, on ne peut pas plus être content que ça. Il y a deux buts ce soir pour toi. Gros match. Ah, ben, tu sais, j'ai joué avec des bons joueurs. Je pense qu'on a une bonne chimie. On a bien roulé la rondelle. On a manqué beaucoup de chance. Puis, tu sais, c'est quand même facile de jouer avec des joueurs qui bougent la rondelle, qui bougent les pieds, qui travaillent fort. Puis, je pense que notre succès passe par le travail. Puis, c'est ça qu'il a fait asseoir qu'on a eu du succès. Là. Puis, récemment, tu as reçu l'honneur d'être la recrue du mois d'octobre dans la Ligue. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir cet honneur-là? Ah, c'est sûr que c'est le fun. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne regardais vraiment pas ça, en fait. Puis, je pense que c'est vraiment. L'équipe va bien, tout va bien. Défensivement, on joue bien. Offensivement, tous les joueurs marchent aussi. Puis, que ce soit un avantage numérique, je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. L'équipe va très bien jusqu'à maintenant. Fait que, ça l'aide individuellement. Puis, c'est sûr que c'est plaisant d'avoir un honneur comme ça. Parfait. Merci beaucoup. Je te souhaite bonne chance. Donc, je suis accompagnée de Jean-Michel Bolduc, le défenseur des Marquis. Donc, belle victoire de 6-2 ce soir face aux Prédateurs. Oui, belle victoire de 6-2 face aux Prédateurs. On a une belle équipe. On joue du bon hockey présentement. Les gars sont motivés. C'est fun de voir tous les efforts que les gars font pour venir jouer à Jonquiere. De vouloir gagner autant qu'on veut gagner. C'est pas nécessairement qu'on a le plus gros alignement de la Ligue, mais on a un type de travail qui est bien. Puis, Charles nous est capable d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Puis ça donne des bons résultats jusqu'à présent. Ensuite, on a pris une petite habitude de laisser l'équipe adverse marquer le premier but. Est-ce que tu penses que c'est parce que vous êtes peut-être trop confiant que vous allez revenir dans le match? Non. C'est tout. Ça arrive comme ça. Là. C'est malheureux. On aimerait ça. C'est sûr qu'on aimerait ça partir tous les matchs avec l'avance. Mais le caractère qu'il y a dans cette chambre-là fait en sorte que. On est capable de revenir de l'arrière et de ne pas se mettre la tête entre les deux jambes parce qu'on s'est fait marquer un filet en partant le match. Ça arrive comme ça. J'imagine qu'éventuellement, on va être capable de marquer le premier filet dans la partie. Mais jusqu'à présent, ça ne nous a pas coûté trop cher. Parfait. Je remercie. Bonne chance pour la réflexion. Donc, je suis en compagnie de Simon Tremblay. Simon, victoire de 6-2 ce soir, 2 buts pour toi. Je pense qu'on se sent un peu plus confiant de match en match. Ouais, c'est sûr, ça fait du bien. Il y a une petite période d'adaptation, mais je pense qu'à ce soir, ça a vraiment débloqué. Puis, en plus, j'ai essayé de garder ça simple, d'amener des lanceaux au but, puis ça a apporté plus. Qu'est-ce que ça a fait pour toi d'être une recrue puis de jouer pour l'équipe de ta région, justement, puis de recevoir une étoile comme ça devant tes partisans? Ouais, c'est sûr que c'est le fun d'avoir ça. En plus, on a la chance à Jonquiere de jouer devant une bonne foule, pour vraiment une équipe dans la ligue. Puis, chez nous, c'est sûr que c'est le fun. C'est comme quand je vois Chutin et Junior, on me sent un peu pareil. Là, c'est sûr, c'est bien le fun. Parfait. Puis victoire, c'est sûr, contre les Prédateurs. Est-ce que tu as des commentaires sur le match? Ah, je pense qu'on a joué dans notre match, on est resté discipliné, puis on est opportuniste en avantage numérique. C'est ça qui a fait la différence dans le match. Un des avantages aussi, vous avez été. C'est pas seulement débloqué, mais vous l'avez un peu sauvé en allant marquer justement. Ouais, c'est sûr, on a été efficace en avantage. On le voit un peu moins, c'est souvent, on en parle un peu moins, mais les gars, ils travaillent dans l'ombre, puis c'est sûr que quand on tue des pénalités, ça l'aide après, on pogne un tempo, puis ça va bien après. Parfait. Je te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison. Merci à toi.